J'ai commencé à jouer à l'Académie royale de musique à 11 ans. J'avais une bourse, ce qui voulait dire que du lundi au vendredi, j'allais à l'école, le samedi à l'école royale de musique, et le dimanche, je faisais mes devoirs. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps pour m'amuser, jouer au football ou écouter la musique. Je jouais assez bien la musique classique, mais mon cœur n'y était pas. Je savais à un jeune âge que je ne serais pas un grand pianiste classique. Je savais que je jouais bien du rock and roll. Heureusement, j'ai eu la chance de quitter l'école à 17 ans et j'ai commencé à travailler avec un éditeur de musique à Londres. J'étais un genre de coursier. Parallèlement, je faisais partie d'un petit orchestre semi-professionnel. La première fois que j'ai joué en public, j'étais à l'école et je jouais dans un pub les jeudis, vendredis, samedi, dimanche pour gagner de l'argent.